Salut à toutes et à tous, ici Calion et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Et aujourd'hui nous allons faire la seconde partie du premier anniversaire du jeu, puisque je vous rappelle que la dernière fois je vous avais dit que je ferais une autre partie avec du farm, où j'aurais acquéri beaucoup de cristaux, comme vous pouvez le voir à force de farm, j'ai craqué pour une seule promo. Sinon le reste c'est que du farm de plein d'events qui sont désormais terminés, ou qui sont encore en cours. Sachant que j'ai vraiment essayé de farm tout ce qui n'est plus là en fait. Dès qu'il y avait une mission avec des cristaux, paf, j'allais dessus. Je faisais que ça. Et puis voilà, cool. Oui, il me reste pas grand chose. Il me reste les nouveaux events, forcément. Celui-là, je ne l'ai pas fait, le Challenge Rush. Je devrais m'y pencher dessus parce que. Ce serait quand même bien. Il y a quelques trucs à gratter, on va pas se mentir. Que ce soit pour les tickets ou même les médailles, donc je le ferai. Faut que je termine d'abord l'event de Super Végéto, parce que Super Végéto, j'ai un peu traîné, je me suis focus sur tout le reste. Et du coup, bon, je pense pas être en retard, mais on va dire que j'ai grillé tous mes tickets dans les events d'avant pour faire toutes les missions à cristaux. De ce fait, voilà, je suis niveau presque 40 seulement, donc ça va être un énorme rush, je pense. Donc on verra bien comment on va faire. Alors, qu'est-ce que je voulais faire en premier? Je crois qu'on va directement aller dans tirage, puisque c'est le but de la vidéo, c'est une vidéo invocation, comme la dernière fois, sauf que c'est la seconde partie. Alors entre temps, ils ont remis un portail Legend Ultimate Pickup. Je n'ai pas eu le Goten Super Saiyan 3. Et sinon, j'ai tout le reste. Voilà. Vegeta God Saiyajin, je l'ai. Broly, je l'ai. Gogeta, je l'ai. Legend Rouge, j'ai pas le... comment il s'appelle? Le Goku Super Saiyan Jin 3 en rouge, je l'ai pas. Je sais plus si j'ai le machin derrière, je sais même pas comment il s'appelle. Je crois qu'il fait partie de l'histoire, mais je m'en fous un peu en vérité. Donc la dernière fois, nous étions surtout focus sur l'anniversaire du portail Goku. Et aujourd'hui on va se focus sur le Vegeta, puisque j'ai fait aucun tirage de Vegeta et on va essayer d'obtenir Vegeta God Super Saiyajin Blue et Super Gohan absorbé. Donc on va juste faire la promo du jour, on sait jamais, sur un malentendu peut-être qu'on peut avoir un Sparking. J'en doute fortement mais on sait jamais. Avec la chance que j'ai en fait. Parfois j'ai beaucoup de chance, parfois j'ai un karma négatif. Alors de ce fait faut aviser. Voilà. Après ça m'étonnerait, je vais juste avoir un extrême à la limite. Ouais non, un extrême. Après lequel, j'en sais rien mais... Oh merde! Oh, le retournement de situation, ouais. Ah non, c'est bon. Oh là là. Cette invoque, je crois que je l'ai eu qu'une fois. Enfin, cette animation. Ouais, du coup, ouais, ok, d'accord. Oh nice! Du coup, je vais l'avoir à 3 étoiles, je crois. 3 ou 4, je sais plus. Parce que je l'avais déjà. Ah, parfait. Putain, le retournement de situation. Genre, cette invoque, on savait absolument pas où se mettre. On savait pas si ce serait un héros, si ce serait un extrême ou un Sparking. Au vu des animations, c'était le jour et la nuit. Bon, on commence bien la vidéo, c'est cool. Comme à chaque fois que j'ai fait une vidéo sur jeu, en fait, mais c'est pas grave. Je devrais plus souvent en tourner, j'aurais plus de chance niveau invoque, je crois. Bon, maintenant, on va faire l'invoque Goku. Journalière, bon, on passe, hein, ce sera un héros. Hop, voilà, on s'en fout. En plus, radis, j'en ai rien à péter. Ensuite, ça, non. Ah, il m'en faudrait encore deux. Ouais, il m'en faudrait encore deux de tickets, comme ça je peux faire 4 tirages. Bon, on va déjà faire les packs maître 2. Même si ça, comme la dernière fois, je ne place pas de grands espoirs dedans. Ça m'intéresse pas tellement. Mais sait-on jamais. C'est ce que j'ai dit la dernière fois et ça s'est super bien passé au final. J'ai eu des invocations de folie. Donc pourquoi pas. Là non.
Après, il va y avoir un Battle Royale spécial extrême, je crois, à partir du 3 juillet. Donc là, si je chope quelques extrêmes que je n'avais pas, ou alors pour augmenter mes étoiles, ça peut être bien, ouais. Je vous avouerai que niveau extrême, moi j'en ai plein, mais en ce qui concerne les teams à faire, ah, j'ai zéro connaissance. Encore les sparkings, bah voilà, je me suis renseigné comme tout le monde, donc je sais à peu près. Mais les extrêmes, zéro connaissance. Bah, je sais qu'il y en a certains qui sont excellents, genre le bout maléfique, le frozen ou des comme ça, mais sinon, ouais, j'en sais rien du tout quoi. Ok, donc Namek détruite, Super Saiyajin Goku. On se met sur la gueule. Est-ce qu'il va se transformer encore? Non. Mais non. On aura un extrême, je pense. Même pas? Ah. Ah, oh, on s'en fout de Chaozu. M'en fiche de Chaozu. M'intéresse pas du tout. Ok, bon, bah écoutez. Allez, next. Bah ça on fait pas, ça non plus. C'est quoi le cadeau? Oh, ouais. Bon, non, bon. bah écoutez, on va sans plus tarder faire une multi de Vegeta Blue en espérant avoir un sparking. Non, je pense pas pour l'instant. Pas du tout même là. Ah, c'est la loose hein. Ah, c'est la grosse loose même. Ouais, cet extrême là apparemment il est pas mal je crois. Oui. Oui. D'accord. Oui, bah ça c'est ce que je voulais donc tant mieux. Allez hop. En vrai, si je peux choper. Comment il s'appelle? Si je peux choper Vegeta sur cette invoque ou un bout, ce serait parfait. Et sur l'invoque Vegeta Sparking Guarantee, je chope l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être bien. Après, faut pas trop rêver non plus. Hein. Bon, je vais passer parce que là, j'ai l'impression que ça va être encore de la merde. Oh! Oh tiens. Je suis mauvaise langue. Bon, c'est toujours cool, mais. Je la joue, enfin elle est pas trop jouable en ce moment. Enfin elle peut être jouable mais c'est pas ce qu'il y a de plus fort en violet quoi. De loin. Là avec le nouveau Vegeta Blue et Vegeto et SSJ donc c'est pas le meilleur perso quoi. Je pensais que je l'avais même pas celui-là, mais en fait si. J'ai pas reconnu l'artwork tout de suite. Cette vidéo dégage moins de puissance que la précédente quand même. Niveau invocation, là, pour l'instant c'est un peu la loose quoi. C'est même beaucoup la loose. Bon allez, on va en invoquer un tout de suite, comme ça c'est débarrassé. Après si j'ai un Vegeto 3 étoiles, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout même. Parce que je vous avouerai que je serais plus du genre à jouer Vegeto SSJ que Vegeta SSJ Blue. Donc, Ah mais non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ces trois persos là, il y en a d'autres. Des persos dont j'en ai rien à faire en fait.
Ah, C'est c'est vrai, vrai, le le perso perso que que je je joue joue jamais. jamais. Après, Après, pour pour être être bien bien dans dans une une team team spéciale spéciale fille, fille, si si jamais jamais un un jour jour j'en j'en joue joue une. une. En En plus, plus, ouais, ouais, 5 5 étoiles. étoiles. Oh Oh putain, putain, j'avais j'avais oublié oublié ça. ça. Ah, Ah, c'est c'est la la loose. loose. Bon, Bon, bah, bah, on on va va faire faire cette cette invoque. invoque. Oh, Oh, c'est c'est chiant. chiant. Bah, Bah, là, là, par par exemple, exemple, si si je je peux peux avoir avoir le le Golden Golden Freezer Freezer 5 5 étoiles. étoiles. Ah, Ah, il il y y a a moyen. moyen. Ah, cette Ah, invoque cette est très invoque est rapide, très hein. Genre rapide, Freezer, hein. il Genre en prend Freezer, plein il la en prend gueule. plein la gueule. Ouais, Ouais, ça ça peut peut être être bien. bien. Bah, Bah, je je le le joue joue pas pas énormément, énormément, mais mais oui, oui, c'est c'est cool. cool. Ok. Ok. Bon, Bon, c'est c'est une une bonne bonne chose chose au au moins. moins. Non, Non, bah bah non, non, ça ça je je le le fais fais après. après. J'aimerais J'aimerais quand quand même même bien bien voir voir le le Super Super Boo. Boo. Parce Parce que que le le Super Super Boo, Boo, il il a a l'air l'air quand quand même même vraiment vraiment fortiche. fortiche. J'en J'en avais avais parlé parlé avec avec un un ami ami il il y y a a quelques quelques temps. temps. Apparemment, Apparemment, il il est est bien 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 fort, fort, quoi. quoi. Oh, Oh, c'est c'est bien bien parti. parti. Ouais, Ouais, bof, bof, hein. hein. Je ne Je ne sais sais pas pas quoi quoi en en penser. penser. Je Je pense pense que que je je vais vais refaire refaire une une invoque. invoque. Et Et après après j'arrête, j'arrête, je je garde garde mes mes cristaux cristaux pour pour d'autres d'autres portails. portails. Parce Parce que que je je sens sens que que j'ai j'ai dépense dépense dans dans le le vent vent en en fait, fait, je je sais sais pas. pas. Parce Parce que que t'insistes, t'insistes, à un moment à un moment tu tu te te dis dis ouais ouais ça ça va va finir finir par par tomber. tomber. Bah Bah peut-être peut-être pas pas non. non. En plus, je m'obstine pour des persos, bah, j'aimerais bien les avoir, mais si je les ai pas, c'est pareil, je m'en fous en fait. Donc, c'est peut-être pas la meilleure optimisation pour dépenser des cristaux, de mon point de vue. Parce que certes, ça pourrait être cool, mais ouais. C'est pas grave si je les ai pas, quoi. J'essaierai de faire des vidéos du coup sur le Battle Royale extrême. Comme ça. Ouais, j'en fais vraiment une der des der. Allez, hop. Comme ça, bah, ça fera aussi du contenu sur le jeu parce que j'ai vu que ça faisait quand même plaisir à certains que j'en mette. Donc, moi ça me va. Oh, il y a un chargement, je le sens bien. Oh. Non, je pense que ce n'était pas le bon jour pour faire des invoques en vidéo. Surtout Surtout que que ça ça fait fait bah, bah, depuis depuis la la dernière dernière vidéo vidéo que que je je me me force force à à paricorde paricorde et et économiser, 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 économiser. économiser. Donc, Donc, ah, ah, par par contre, contre, cet cet extrême-là extrême-là va va m'être m'être très, 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 très très important important pour pour le le Battle Battle Royale. Royale. Donc, Donc, ouais, ouais, c'est c'est pas pas mal. mal. Ah. Ouais, bon. Je crois qu'ils ne veulent pas tomber. Ils ne veulent pas tomber, les saligots. Bon, au moins j'ai. J'ai de plus en plus de persos à 6 étoiles et 5 étoiles, donc c'est cool. Elle, j'adore la jouer, j'adore. Ouais, j'aime bien. Je sais pas, je la trouve agréable à jouer en fait. Puis en plus, dans l'animé, je la kiffe, Caulifla, donc. Non, bah là-dessus ça va. Au moins j'ai eu 2 étoiles aujourd'hui sur elle. C'est bien quand même. Faudrait que je tente de mon côté, c'est. Il en resterait 4. Ah. On va essayer de faire une invoque, voir si je peux pas avoir le Gotenks Super Saiyan 3. Bon, après, il y a une chance sur je sais pas combien, mais. Qui ne tente rien n'a rien. Et il y a un chargement.
Il y a plein de capsules. Et il se transforme. Et il lui pète la gueule. C'est bien parti. Il est vénère, Goku. Oh, alors là, si j'ai un Sparking, c'est parfait. Je vais même en avoir un, logiquement. Genre, je vais être défoncé. Ouais, voilà. Oh, je l'avais pas. Bah, tant mieux. Lui, je voulais trop l'avoir quand il y avait son event. Mais j'ai jamais réussi à l'avoir. Je suis refait. C'est trop bien. Toi, on s'en fout. Toi aussi, on s'en fout. Je m'en fous. Next. Oh. Ouais, ça peut être bien. Ouais, il a été nerf, mais ça reste cool. Vous savez, parfois faut prendre des décisions à l'arrache. Et ça marche. Bon, il y a une chance sur deux que ça marche ou que ça marche pas. Mais là, pour le coup, c'est worth. Parce que j'ai eu un Sparking que je n'avais pas. J'ai une étoile sur mon Brawn violet. Donc, ça reste pas mal. Ça reste bien. Là, ouais, ça rattrape un peu le niveau du début. Parce qu'au début, c'était vraiment bof bof quoi. C'était pas ouf du tout. Donc, ça passe, c'est ok. Faut juste que je regarde comment je pourrais obtenir des tickets là. Faut que je fasse 3 combats avec Végéto. Ok, y a pas un autre moyen d'avoir des trucs plus rapidement hein. Non. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire. Là ça me coûtera automatiquement 2 points d'énergie. Ce que je peux faire sans que ça me prenne 2 points d'énergie. J'ai tout là-dessus, j'ai acheté tout. Ouais, ok. Qu'est-ce qui pourrait m'être utile? Ah, les poissons grillés pour les entraînements, ça m'irait bien. Donc, bon, là, il va y avoir une mini session farming, ça va pas être long, hein, mais c'est juste histoire d'avoir mes deux tickets. Et après, on fera la quadruple multi-invoque et puis volo. Puis en attendant, bah, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que ce week-end, je vais record la suite de. Comment ça s'appelle? De Budokai 2. Budokai 2. Parce que ça fait un seul moment que je n'ai pas touché au jeu. Pourtant, je l'aime beaucoup. Mais bon. Voilà, ce week-end, je vais en tourner quelques vidéos. Spyro 2, comme je l'ai. Bah non, je l'ai même pas dit. Je l'ai terminé. Donc, moi, j'ai juste à faire le montage des vidéos. Le vendredi, je vais éviter de mettre du Spyro parce qu'on a déjà le lundi et le mercredi. Donc, je voudrais changer comme avant, quoi. Puis, bah, pour le reste, vous en faites pas, je travaille dessus. Voilà. Bon, par contre, les chargements, c'est un petit peu chiant quand même. Je sais pas si tu peux te grouiller parce que j'ai pas ton temps en fait, mais ça pourrait être sympatoche de ta part, vois-tu. De toute façon, je vais les one-shot donc. Hop, voilà, on en parle plus. Mais ouais, j'aimerais bien voir le Végéto Saiyajin, enfin Super Saiyajin, en 3 étoiles. Si c'est pas trop demandé, s'il te plaît, le jeu. Au moins 3 étoiles, ça pourrait être cool. Ah bah en plus je fais une mission Z, parfait. Allez, encore 2. Parce qu'en fait, ouais, le problème pour faire ces missions-là, c'est que l'on est obligé de jouer nous-mêmes. On peut pas faire les combats skip. Ça compte pas sinon. Même si Végéto est dans votre team. Du coup, bah... Ça incite un peu à farm. La farm... entre guillemets manuel, pas automatique. Après ça va, c'est pas non plus chiant vu qu'il me reste que deux missions, mais on va dire que ça m'a permis aussi d'avoir les précédentes missions. Et vu que j'avais la flemme de le faire sur des events où j'avais juste à farm pour avoir pour up mes Sparking en fait, du type les anciens portails style Trunks, Goku, Junior, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Broly, je crois, je sais plus, ainsi que Great CMN, enfin tout ce genre de portail en fait, et Gotenks, voilà, je cherchais. Bah ça m'a permis de le faire avec le Végéto, le comment dire, le Legend Rising de Végéto,
Donc au moins, j'ai pu avoir ces missions-là. C'est déjà bien. Non, c'est la dernière mission, je crois. Et puis après, on pourra faire la quadruple multi. Allez, au revoir. D'ailleurs, le Legendary Finish de ce Végéto est vraiment exceptionnel. Hein. Il claque, c'est un truc de malade. Il est tellement stylé. Mais tellement, tellement, tellement. Je pense que c'est mon préféré. Déjà que j'aimais beaucoup celui de Gohan SSJ Ado. Enfin, SSJ 2 Ado, pardon. Bah là, une tuerie. Vraiment. En fait, tu sens que tu te prends toute la puissance d'un être supérieur dans la tronche et que tu ne peux pas t'en sortir en fait. T'es radié de la surface de la Terre. Allez hop, c'est bon. Après, ce sera pour un jeton. D'accord. Ah, je crois que j'en avais besoin en plus de ces orbes là. Bon, tirage. C'était celui-là. Allez, là on prie pour avoir quand même quelques sparkings intéressants. Au moins des étoiles. Des petites étoiles. Je ne demande pas grand-chose. Oh, je le sens pas celle-là déjà. Oh. Putain, mais vraiment, il y a certaines animations, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Il n'y a pas de capsule, rien, et d'un coup il se transforme en Super Saiyajin. Puis après, soit ça explose, soit on se fait démonter, soit on démonte en normal, enfin, genre, on comprend pas. Je ne comprends pas. Ouais, avant que ça commence, faudra vraiment que je me penche sur la tier list des extrêmes. Parce que ça se trouve, j'en ai des complètement pétés. Bah tiens, Frost. Pas Frozen, Frost, pourquoi j'ai dit Frozen? Mais ouais, il y en a certains, ils sont vraiment giga forts. Faut avoir les étoiles qu'il faut pour avoir le bonus aussi, quoi. Mais bon. On ne crache jamais dessus, puisqu'on a des... comment dire, des bons personnages. Ça fait toujours zizir. Oh! D'ailleurs, je sais pas si quelqu'un sait parmi vous, mais il y avait une rumeur, ou je sais même pas si c'était confirmé, comme quoi Dragon Ball Super reviendra en juillet. Mais du coup, est-ce que quelqu'un a des nouvelles? Parce que moi, je sais pas. Je sais que là, il y a Super Dragon Ball Heroes en ce moment, mais... Dragon Ball Super, je sais pas s'il y a eu une suite pour l'instant, si ça a commencé, s'il y a eu une date ou quoi, parce que je vous avouerai que je suis pas trop sur Internet en ce moment. Putain, on est un couleur, je viens de rêver. Plutôt sympa, ça. Mais ouais, j'en sais rien. Je vois nulle part, je vois des théories, je vois par rapport au manga, les scans, tout ça, mais je vois pas l'animé. Rien qui concerne l'animé en tout cas. Je sais pas si ça a été repoussé. Si à la base c'était un énorme canulaire ou quelque chose comme ça. Bon, après je pense pas, mais. Je sais pas où ça en est en fait. Oh, en plus 3 étoiles, trop bien. Lui par contre, je pense qu'il peut être vraiment, vraiment hyper fort. Genre giga fort sa mère, vous voyez. Bon, en tout cas, je vais pas vous mentir que ça me fait vraiment un grand bien de retourner des vidéos et de vous parler. Ça me manquait, et depuis que je reprends un peu de temps pour moi et faire ce que j'aime vraiment, bah, j'ai plus cette flemme ou cette démotivation à tourner des vidéos quand je rentre, parce que quand vous passez une grosse journée, bah, tous les jours en fait, que vous avez 2 heures de route par jour, vous êtes chez vous, il est 18h ou 18h30, qu'ensuite vous avez votre chien à faire sortir ou la maison à vous occuper ou des trucs comme ça, enfin, vous posez votre cul enfin vers 19h, 19h30, voire 20h après avoir mangé, vous dites, mais j'ai grave la flemme de faire quelque chose en fait. Et puis bah voilà. Mais bon, ça fait plaisir. Oh! Oh nice, j'aurais peut-être 4 étoiles sur celui-là, parce que normalement j'en ai 3. Ou alors j'en ai que 2. J'en aurai 3. Oh. Pas cool. Bon, je jouerai pas, mais c'est cool. Pour une team fille, c'est pas mal. Une team girls. 4, ok. Et c'est 18, elle va être à 3. Ouais. Bon, ça va être sympa.
Vraiment. Ça reste cool. Dernière invoque et après on va se laisser là-dessus. Alors, en tout cas, ça a pas trop bien démarré niveau invoque sur cette vidéo, mais après, j'ai pas forcément eu ce que je voulais, mais ça restait des invocations quand même intéressantes. C'était pas de la full invoque complètement inutile, donc ça me va, je suis quand même satisfait. Il faut se satisfaire de ce qu'on a parfois. On peut pas tout avoir. Déjà que j'ai eu beaucoup de chance sur l'invoque, enfin sur la vidéo invoque précédente, on va pas se mentir. Donc on va pas se plaindre. Et encore un Sparking. Ouais, non, par contre là, vraiment, arrêtez de me le mettre, lui, j'en ai rien à péter. Genre. Je m'en fiche. Je ne le joue pas, il me sert à rien et je m'intéresse pas. Mettez-moi un. Même un personnage en Sparking, je m'en fous, mais arrêtez de me mettre lui. Il ne m'intéresse pas. Faut le dire combien de fois. Oh. Bon. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si je refais une vidéo bah, justement sur ce jeu prochainement, je pense que je vous présenterai un peu comment ça se passe pour le Battle Royale Extreme, parce que je crois qu'il y avait eu un Battle Royale Sparking avant, je ne sais plus quand, mais je l'ai pas fait. Alors je sais pas si c'était quand je ne jouais pas encore, enfin quand je n'avais pas repris, ou c'est quand j'avais pas du tout le temps de jouer. Je n'en sais absolument rien. Mais je vous ferai quelques vidéos dessus, vous me verrez me faire détruire comme jamais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. On se dit à bientôt, prenez soin de vous et bah, à la prochaine vidéo sur ce que vous regarderez. Tout simplement. Allez, des bisous!